Hey, salut tout le monde, c'est les Ponts, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur GTA 5 Online pour la suite de la mission ULP. Je pense que ça fait déjà le troisième épisode, même si les titres sont différents. Je vous invite de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Puis toi qui passes par là, qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti, bon visionnage. Mission ULP extraction. Et c'est ici qu'il faut que je prends. C'est ici, non. Il faut que je tourne l'autre côté. Mais bon, je suis arrivé. Voilà, c'est ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Fouiller le garage à la recherche d'indices. Mais bon, je peux courir. Ah, il y a quoi ici? Il y a un petit scalpin. Ok, je peux regarder. Ah, il y a un petit bug de son là, je crois. Hein. Bon, on n'a pas trouvé. Attendez, peut-être ça. Vas-y. C'est bon, t'as trouvé ou pas? Non? Toujours pas? Alors, quel côté? Peut-être ça. Hein. Ah, ça, il y a des données dedans. Il y a l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on va trouver dans l'ordinateur? Est-ce qu'il faut pas taper mot de passe? Ah, ça s'allume pas. Il y a un disque dur. C'est un disque dur, ça, ou pas, non? Attendez. Hop. Je regarde bien. Ah, peut-être qu'il faut éteindre. Vide. Oh, c'est vide. Oh là là! Oh là 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 là! Peut-être dans la voiture? Non? Ah, l'autre côté, ouais, j'ai zappé ça. Si ça se trouve, j'aurais trouvé au premier coup. Non, il n'y a rien. Et si tu enlèves le socle de l'intérieur, peut-être que. Oh, dans le caisse, dans le moteur, non? Non, pas dans le moteur. Ah, je perds beaucoup de temps là. Ah ouais, voilà, c'est l'entrée. Quelque chose dedans, allez, allez, vas-y, vas-y, il y a quelque chose. Non? Il n'y a rien, donc je fouillais les quatre coffres. Attendez, je vais voir ici. Là-dedans. Je vais regarder les. Ok. Entrer dans l'un des véhicules. Oh, ben voilà! C'est ce que je voulais faire depuis tout à l'heure. Allez. Ah oui, non, non, mais j'ai un peu flèche de droite au lieu d'appuyer sur triangle. Ok, bah il est marqué dans le GPS. C'est bon, on peut y aller. Bon, fouiller les positions GPS. Bon, c'est parti. Ok. Et bon, je pense que dans le premier point, je choisis celui de milieu. Hein, on verra. Qu'est-ce que ça va donner? Non, il n'y a rien ici. Oui, chef. Alors, est-ce qu'il va être ici notre agent? Ah, il faut que je tourne à gauche. Je prends le chemin de terre. Voilà. Non, il n'y a personne. Oui, mais bien sûr, j'ai vu qu'il n'est pas là. Hein. Il n'est pas là, l'agent Johnson. Donc, ce sera pour les prochains points.
Alors, l'agent Johnson, est-ce que tu es par ici? Oh, ça tire là. Ça tire, ça chauffe. Ça tire, ça tire. Ok. Vas-y, je vais sauver tout le monde. Yo, arrêtez d'attaquer l'agent Johnson. Je suis derrière eux, mais il ne tire même pas dessus en plus. Je vais liquider tout le monde, quoi. C'est bon. Ouh, il y a encore du monde qui arrive, hein. Ah, j'ai tiré sur le pic. Top exprès. Fouiller la zone. Il me dit de fouiller la zone. Allez, c'est parti. Je vais fouiller la zone. Mais j'ai 3 étoiles. En plus, la voiture que j'ai, elle n'est pas blindée. Allez, je fouille la zone. Je fouille la zone. Mais je pense que ça spawn. L'agent, l'agent, t'es où? Pourquoi tu me tires dessus, toi? Vas-y, crève. Attendez. Hop, est-ce que je peux? Ah, c'est cool ça. Ça, c'est bien. Vas-y, prenez ça. Prenez ça. Au revoir. Et maintenant, autour des gangs. Ah, il doit être là. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Vous croyez que c'est lui? Non, c'est pas lui. Allez, donne-moi une arme là. Oh, comment c'est puissant. Il faut pas que je reste là, sinon je vais mourir. C'est chaud, ça chauffe. T'es où l'agent? Vous êtes où? Où est-ce que vous êtes l'agent? Parmi tout ça, parce que si j'explose, ça va pas le faire. Je dois sauver l'agent Johnson. Il faut que je tue tout le monde. Ça me met sur un côté. Voilà, c'est bon. En fait, tout le monde tire sur tout le monde. Là. Au revoir. Ah, ça va être long, là. Ça va très, très, très long. Ça va être très, très, très long, là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, elle est puissante, cette arme. Il y a des armes que j'ai pendant des années que j'utilise jamais. Ah, je suis en danger là. Je suis en danger là. Il faut pas que je reste là. Il y a des endroits où j'arrive pas à viser. C'est bon. Ah, il y a un mec là. Ah, mais ça se connaît limité là. Ça va être chaud cette histoire. Ah, mais c'était ça! Ah, c'est ça! Depuis tout à l'heure, j'ai galère! C'était ça! Ok! We have two groups of hostiles, cartel soldiers, possible links to Marabunta Grande and Duggan personnel. Both highly dangerous. They are hostile to each other and us. We need to evacuate this area and regroup stat. Damn. I thought I was dead back there for sure. How the heck did you find me? Recent GPS locks in my car? That was good work. They told me I was heading to a deal. Figure it's business as usual, no clue they'd made me. I just had time to map it out and the next thing I know there's a black bag over my head. I think they were planning to sell me as leverage to the cartel. I don't know what the hell happened. But the deal went south, people started dropping left and right. You got there just in time. Shit. So are you new? I don't recognize you. Thank you anyway.
Just give me a second to get my shit together, okay? Je crois que je suis pas poursuivi là, hein. Tu as 3 étoiles. So I'm guessing you're on the dugging up. Let me tell you, this stuff goes deep. Way deeper than our models predicted. It's got bureau written all over it. I was so close to putting it all together before my cover got blown. Anyway, here's what I can tell you. The Duggins are putting together some kind of next-gen computer software. That's how they're fixing the price of gas. This thing is exploiting backdoors everywhere, including the goddamn Ballsack data center. It's manipulating trade prices, supply, demand, shipment delays, rating agencies, public oversight mechanisms, you name it. It's even pushing panic buying using bots on social media. The Duggins already have most of the tech they need, and they're out to buy even more from the FIB's confiscated items. Whatever's going on, we need to move on it fast. Semer le flic. Bon, on va faire ça bien. Pas de compliqué normalement. Faut juste aller monter. We can't have local law enforcement all over this. Bla 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 bla. Ici, ça doit se faire par ici. Ça doit se faire, mais j'attends un hélicoptère qui arrive pas loin. Allez, disparaît les étoiles, disparaît. C'est bon, je crois. I feel a little faint. Could you take me to the hospital? Debrief's gonna have to wait. C'est bon, voilà, c'est bon. On peut amener l'agent Johnson à l'hôpital. Wow! Je vous ai pas vu là. Thanks. Again. Hopefully my intel fills in some of the blanks. I'm sure you'll get a copy of the mission report. Good work today. Now, having successfully undertaken field work in temperatures of over 100 degrees, I'm giving you a direct order to take a shower before your next report for duty. But for today, that was some fine work, Agent. Yes! Mission réussie! All right, debrief. Agent Johnson's report indicates that the Duggins are leveraging some kind of hyper-advanced neural network to inflate gas prices. Now, from what the lab rats tell me, it's essentially an AI program capable of manipulating every aspect of the global oil market to their advantage. They're restricting supply here, creating deficits there, delaying stocks, stoking panic buying. It's coming from every angle. That's why it's been so hard to trace. Now we have reason to believe that due to our recent actions, they're moving the tech to a more secure location. Let's intercept it and see what we can find. Report for duty. Et voilà, mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Et puis toi qui ne passes pas là, qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, si mes contenus t'ont plu, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir la notification de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao.